Il y a pas mal d'événements marquants à la fac, mais il y en a quand même un particulier. C'est le moment où on retourne la feuille d'examen et où on voit le sujet. Et là, on repense à la phrase insupportable de notre ami. Oui, non, mais moi j'y vais au talent. Parce qu'on a beau tout préparer, parfois ça se passe pas comme prévu. Si j'ai une matière le matin, par exemple à 8h30, 8h, je me lève à 5h du matin pour relire et c'est vraiment au dernier moment où on y allait. On va avoir un mois de révision, mais en vrai, on va peut-être travailler 2 semaines, mais ça c'est peut-être moi. Au début j'ai essayé, mais finalement on a du mal à s'y tenir. Et donc finalement c'est un peu la veille parfois. Non, pas de planning. Moi je suis plus dans la dernière minute, voire la dernière semaine, une dernière heure. Je lis au moins 2 fois le cours, quoi. Réviser seul, c'est un peu déprimant, donc j'essaie avec des copains, mais malheureusement, parfois, on a tendance un peu à trop parler. Il y en a que je préfère ficher et apprendre par cœur, d'autres où je préfère juste lire le cours et comprendre le cours. Le seul rituel que j'ai, c'est que je mets mes bouts de caisse, genre une demi-heure avant l'examen, et je parle presque à plus personne. Je mets mon réveil. C'est important quand c'est à 8h30. Je me lève tôt. Si j'ai une matière à 8h, j'essaie de me lever tôt, comme ça, je me rafraîchis la mémoire. J'aime bien le matin manger des carrés de sucre que j'ai mis sur ma fenêtre le soir. En fait, après, on discute, donc forcément, il y en a qui te posent des questions. Donc ça te fait encore plus stresser parce que tu te remets tout en question sur ce que tu as fait. J'aime bien en discuter, pas forcément pour me rassurer, mais surtout pour savoir ce qu'ont mis les autres, comment en réfléchit mes potes. Ouais, dans les 10 minutes qui suivent après l'examen, ouais, j'ai tendance. Puis après, ouais, après, ça sert à rien, une fois que c'est fait, donc je continue. Sont mal lancés. J'en ai eu 6 pour l'instant, j'en ai un dans 20 minutes, et il m'en restera un, donc ça fait 8 au total. Je reprends mon petit boulot étudiant aussi, parce que j'avais arrêté pendant 3 semaines, et là du coup je reprends. Une grosse caisse, quoi. On va tout lâcher, quoi. Et j'en ai encore une paumée de matière la semaine prochaine, donc je ne peux pas partir au ski, c'est super. Sinon, entraînant avec des gens intelligents, ils nous donnent plein d'astuces, et du coup, c'est ça, il faut traîner avec des gens intelligents. Se mettre à côté de sa copine, ça marche bien apparemment.